Alléluia. De la pauvreté, il mène à la richesse. De la boue à la table des rois. Humilié, il va te repositionner. C'est Jésus qui redonne la vie à nos âmes. Alléluia. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de te relater cette histoire du choix de David que nous présente la première lecture de ce jour. Samuel, Dieu lui a parlé et lui a demandé d'aller lui sacrer un autre roi. Et quand il est allé, le Seigneur l'a amené vers la maison de Jessé. Et quand il est arrivé, il a demandé à Jessé de lui présenter ses fils. Donc, à chaque fois que quelqu'un approchait, il disait, c'est sûrement lui, parce qu'il est beau, il est grand, il avait ça, il avait ça. Il avait la carrure d'un roi. Mais à chaque fois, le Seigneur lui disait, ce n'est pas celui-là. Et alors, les 7 fils de Jessé passèrent devant Samuel. Mais aucun d'entre eux n'avait été choisi par le Seigneur. Et donc, il demanda à Dieu. Le Seigneur dit à Samuel, demande à Jessé, est-ce qu'il n'en a pas un autre? Et Jessé lui a dit, si, si, il y a un, mais il est dans les champs et il est en train de paître. C'est le plus jeune d'ailleurs. Et il a demandé qu'on l'envoie le chercher. Et quand il est venu, le Seigneur lui a dit, c'est lui. Lève-toi, donne-lui l'onction. Alléluia. Et la parole de Dieu nous décrit David comme étant un garçon roux avec de beaux yeux et il était beau. Alléluia. Juste pour dire à quelqu'un en ce matin, quel que soit comment le monde te regarde, le Seigneur, lui, a un plan pour toi. Il a déjà décidé ce qu'il fera de toi. Donc, quel que soit ce que les gens disent de toi, cela n'a pas d'importance. C'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai et qui s'accomplira. Car c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est pourquoi dans le cantique qu'on va prendre, on dira qu'il nous a tirés du gouffre et il nous a amenés à la table des rois. Oui, il nous a amenés à la table des rois. Comme David qu'on est allé chercher. Oui, on est allé le chercher. Hein? Il était dans les champs et il était avec ses brebis. On est allé le chercher et on l'a amené pour le sacré roi. En un même jour, il a quitté petit garçon roux et il est devenu roi d'Israël. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux lui dire ce matin? Le Seigneur a prévu un plan de gloire pour toi. C'est pour toi, je veux que tu entres avec moi dans cette louange matinale, que tu lui rendes grâce pour ce qu'il a déjà accompli dans ta vie et que tu te décides à marcher dans ses volontés. Alléluia! Seigneur, Alléluia. Oui, j'ai envie de danser, de bondir. Car je sais que comme David, le Seigneur va me prendre des champs, il va m'amener là où on va me sacrer reine ou roi. Alléluia. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie personnelle. Alléluia. Il nous fait du bien. Oui, ce Dieu nous fait du bien. Il a redonné la vie à nos âmes. Ce Dieu nous fait du bien. Alléluia, c'est pourquoi nous voulons le louer en ce matin.
Jésus a redonné la vie à mon âme. De la pauvreté, il me mène à la richesse. De la boue à la table des rois. Humilié, il m'a requalifié. Jésus a redonné la vie à mon âme. Ha! Il a haut. Est-ce que quelqu'un peut dire il a redonné la vie à mon âme? Ce matin, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années où on m'a insulté, où on m'a déprécié, où je ne valais plus rien, Jésus m'a prise, il m'a repositionné, il m'a refaite, alléluia, et il m'a fait asseoir à la table des rois. C'est ça ton partage bien-aimé, car tu as Christ le victorieux en toi, alléluia. Jésus a redonné la vie. Après tant d'années où on m'a dévalorisé, ce Dieu m'a redonné la vie. Il m'a dit, tu es comme cette plante plantée près d'un cours d'eau qui porte son feuillage en sa saison. Et jamais, jamais son feuillage ne flétrit. C'est ce que Dieu a dit de moi. C'est mon partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je veux chanter avec toi. Comme David, pour venir au château là où le Seigneur m'attend. Alléluia. Cette image, oui, le Seigneur te tire de quelque part et il te repositionne. Hein? Pour le chômeur, donc ce sera, il quitte le chômage pour aller travailler. Il est en costume cravate, elle est en tailleur pour aller travailler, entrer dans sa bénédiction pleinement. Pour cette maman qu'on appelait stérile, c'est sortir de l'hôpital avec son bébé en main. Alléluia. Appelé célibataire, c'est être accompagné de son bien-aimé sortant de l'église avec des ovations, avec une robe blanche et lui en costume. C'est ça notre partage. Alléluia. On va chanter ensemble. Alléluia. Alléluia.
que quelqu'un peut dire avec moi? Jésus m'a comblé. Jésus m'a comblé. Jésus m'a comblé. Jésus m'a comblé. Alléluia. C'est avec ce cantique-là que nous allons passer cette journée dans la joie, confiant et ayant l'assurance que c'est le Dieu de notre victoire qui est en nous. Alléluia. Qui marche avec nous et qui nous fait triompher en toutes choses. Seigneur, comble-nous de tes grâces et tes bénédictions. Pose ta main sur nous et bénis-nous, bénis notre journée. L'œuvre de nos mains, bénis Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.